Bonjour, monsieur. Un message pour vous. Vous êtes pas qui? Oh mon Dieu! Arsène Lupin veut que je lui envoie mes plus beaux trésors. Si je ne le fais pas, il va tout voler. Quoi? Le plus grand bateau n'est pas original? Je dois appeler la police. Allô? Bonjour, je suis le Baron Caron. Arsène Lupin m'a envoyé une lettre et il veut que je lui donne mes plus beaux trésors. Ou il va tout voler! Mais, monsieur le baron, Arsène Lupin est à la prison. Mais... Oh! Ganimard est en ville! Je dois le visiter! Bonjour, monsieur. Je suis le baron Caron. J'ai besoin d'aide. Arsène Lupin veut voler mes trésors. Qu'est-ce que vous pensez? Arsène Lupin est en prison, il ne peut rien faire. En plus, je suis en vacances, donc j'ai rien à faire, mais... Et en plus, si Arsène Lupin s'est vraiment échappé de la prison, je vais le remettre en prison. Je suis désolé, monsieur. Non, bonjour, Carmen. Bonjour. J'ai reçu une lettre de Arsène Lupin. Il va venir à ma maison aujourd'hui. Si vous restez à ma maison cette nuit, je vous donnerai 3000 francs. Soit, je resterai à votre château. Mais sachez que c'est de l'argent jeté par la fenêtre. Oh, merci. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Oh, bonjour, Ganimard. Merci beaucoup pour venir. De rien. J'ai aussi amené le gars pour aller garder le château. Bonjour. Entrez. S'il te plaît, entrez. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Non, c'est moi. Je rentre. Où est le bateau? Où est mon vase? Qu'est-ce que se passait? J'ai bu une coup d'eau et puis... Ganimard, je veux qu'on arrête Arsène Lupin. Bon, vous pouvez déposer une plainte, mais ne dites rien à propos de moi. Je dois faire cette enquête moi-même pour qu'elle réussisse. Bonjour, vous voulez que je vienne? Qu'est-ce que vous allez faire, Ganimard? Je vais interroger Arsène Lupin. Bon, allez-y, mais vous perdez votre temps. Ah, Ganimard! Quelle surprise! Lupin, vous savez pourquoi je suis ici? Ah oui, un bateau, de Rubin, autres objets sans beaucoup d'importance, vous savez. Il a du meilleur. Donc l'affaire a bien été conduite par vous? De A à Z. Comment l'avez-vous fait? Si le baron reçoit une lettre d'Arsène Lupin et il sait que Ganimard est en ville, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui demander de l'aider. Et si Ganimard finalement accepte de l'aider? Le baron va l'amener à son château. Voilà! Si vous voulez arrêter les coupables, il faudra vous arrêter vous-même. Quoi? Donc vous avez utilisé un faux Ganimard?
Exactement. Ah, mais Ganimard, ne vous en faites pas. Le baron est en train de retirer sa plainte. Comment ça? Je lui ai revendu ce trésor. Pour un certain prix, bien sûr. Heureusement, vous êtes unique. Ganimard! Ouais? Vous oubliez quelque chose. Mais c'est ma montre. Oui, elle était dans ma poche. J'ai presque oublié. Mais ne vous en faites pas. J'en ai déjà en poubelle. Celle de mon juge. Au revoir. Sailor, pour votre porno. Oui. Vite, fouillons sa cellule. Ah ah. Oh non, qu'est-ce qu'il y a écrit? C'est une note d'un ami d'Arsène Lupin. Il a sabotagé une voiture pour Lupin sans puisse échapper. Il faut tout remettre en ordre. Il ne faut pas que Lupin se doute de rien. Après qu'il s'est échappé, on intercepta quand il aura rejoint ses amis et on les arrêtera tous. Allez, allons-y. Garçon! Oui, monsieur? Je voudrais le meilleur vin et cigare que vous avez. S'il vous plaît. Oui, monsieur. Ah, merci. Voilà, monsieur. 25 francs. Un cigare de Cuba. Ah, monsieur, j'ai oublié mon portefeuille. Pourriez-vous m'accorder un crédit? Je suis Arsène Lupin. Arsène Lupin? Bon, monsieur. Au revoir. Qui est là? Bonjour, monsieur. C'est la prison de la santé? Ah oui, je veux regagner ma cellule. Votre malaise est au chemin. Vous vous moquez de moi? Arrivez-en et vite. Ah bon, pardon, monsieur, mais si on savait que vous avez remis Lupin en prison. Lupin, mais qu'est-ce que vous me chantez là? Où est votre carte? Ah, j'ai parlé de l'avoir perdu. Je suis désolé. Vous avez l'audace. Mais monsieur le directeur, vous savez bien que vous avez tenté de me piéger. Mais je m'en vais aussi sans l'aide de mes amis. Je n'assisterai pas à mon procès. Il n'est pas encore parti? Mais non, monsieur le juge.
Accusé, votre nom? Désiré Baudru. Ah, un nouveau nom. Vous avez vraiment une grande imagination, Gallimard. Voudrez-vous bien témoigner contre ce Désiré Baudru? Certainement. Donc, après avoir poursuivi Lupin à travers l'Europe, je l'ai finalement arrêté à New York. Après, je l'ai amené à la prison de la santé. Voudrez-vous examiner le prisonnier? Certainement. Mais ce n'est pas Arsène Lupin. Quoi? C'est vrai, il y a des ressemblances. Mais si on regarde sa peau, les cheveux, tout ça... C'est pas lui. Garde, est-ce que c'est Arsène Lupin? Oui, je crois que c'est lui. Vous n'êtes pas sûr? Je ne sais pas. Accusé, pouvez-vous expliquer ceci? Eh bien, il y a 2 mois, on m'a amené au dépôt où j'ai passé une nuit. Je fus relâché, mais on me saisit quand j'ai traversé. La cour est conduite à un seul lot. Ce n'était pas si mal. On y a mangé bien. Un mois d'enquête, et on ne sait toujours pas si Baudru est Arsène Lupin. Mais je dois vous dire que Baudru n'a pas commis de crime, apparemment. On va le mettre en liberté. Bon, mais je le surveillerai. Attends! Ganimard! Mais Arsène Lupin! Donc c'était vous là-bas? Oui, c'est moi. Mais comment? Ah, vous savez, des médicaments, des produits chimiques, de la diète, tout pour me donner la plus mauvaise apparence et pour changer ma face. Et les gardiens? Ah, les procès n'est pas rapide. Ils n'ont pas pour le suivre. Et Baudru? Ah oui, Baudru. Il existe. Je l'avais rencontré il y a un an. Ah oui, je pense qu'il m'a ressemblé un peu et j'ai étudié sa figure. Mes amis l'ont fait passer une nuit au dépôt et on est sorti en même temps. Je dis que je n'assisterai pas à mon procès dans tout le monde. Je pense que je me suis déjà évadé. Mes amis ont tenté de risquer le coup, mais j'avais d'autres plans. Le cigare? Ah, c'est moi qui ai écrit la note dans le cigare. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ah, je vais me reposer. Je vais manger comme un ogre. Personne ne saura que Baudru était Arsène Lupin. Sauf vous. Bon, je vous laisse. Je dîne en ville ce soir. L'ambassade des États-Unis. Lupin. Ah.
Désirée. Jesus, okay, here, don't change your voice. Oh my god, this is not here. Oh my god. You exist.